Alors, c'est quoi là? Depuis bientôt une heure, j'enchaîne les contractions douloureuses. Ça fait mal. Du coup, là, on se dirige vers la maternité. J'espère que c'est pas une blague. Si, c'est un gros farceur, mine de rien. Alors, les Wilfried qui sont dynamiques. On est reparti. Alors, c'est comment? Là, ma pose de la péridurale, c'est top. Je sens plus mes jambes, je sens plus mon derrière, mais c'est génial. On travaille depuis 4 heures du mat, là. Ça fait du bien de finir sa grossesse sans avoir mal, sans hurler. Je vais pouvoir me reposer. Ça, c'est pas gagné, tu vas peut-être hurler plus tard. Quoi? Tu vas peut-être hurler plus tard. Non, j'aurai juste à pousser. Parce que j'ai la péridurale, je vais pas trop sentir. Enfin, j'espère. Je viens de rompre la poche d'eau. Ça fait plouc. C'était trop marrant. Et du coup, je suis passée de 4 à 6 doigts. Et là, les choses s'accélèrent. Mais bon, bébé fait un peu peur parce qu'il supporte pas les chocs assez intenses, apparemment. Mais là, ça va, il a repris mon petit déboulé. Voilà. Et j'arrête pas de trembler. Il a mon visage quand même. Permettez-moi pour terminer ce journal, ce carnet rose. Félicitations et toutes nos pensées à Morgane Bouchet, notre journaliste, notamment sportif et spécialiste des nouvelles technologies et ami. Il est devenu papa pour la première fois hier soir. Et oui, le petit Arthur est né à 20h26 au Medipôle. Il pèse 3,360 kg. Le bébé et la maman se portent bien et le papa, comme toujours, va très bien aussi. Félicitations à eux.